Oh, bien bonjour à vous, et bien bonjour à toi, Ginette. Tu es bien matinale, Ginette, mais c'est bien, tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la beauté et de l'hygiène de Ginette. Et vu le boulot qu'il y a, c'est bien que tu te sois levé tôt. Toujours avec le webzine Culture Pin-Up. Allez ma Ginette, transformons-nous. Alors Ginette, prête à écouter tous ces conseils distillés par ce merveilleux livre qu'est l'Encyclopédie de la Femme ? Aujourd'hui Ginette, je serai ta matrone. Aujourd'hui, l'hygiène et la beauté, Ginette, concerneront uniquement ton visage. Mais dis-moi, Ginette, sais-tu ce qu'est un beau visage? Il n'y a pas de canon de beauté du visage, Ginette. Tu as toutes tes chances. Il est précisé qu'en Europe, il est admis que c'est le visage de forme ovale, à traits réguliers, qui incarne la beauté en Europe. Mais théoriquement, Ginette, la hauteur du front doit être égale à la longueur du nez et à la hauteur de tes oreilles. Voilà, bon courage, Ginette. Il faut aussi que tu saches qu'une peau flasque et un teint terreux suffisent à détruire l'harmonie du visage. On ne peut pas changer ses traits, Ginette, mais il te faudra apprendre à soigner ta peau. De ce fait, Ginette, sais-tu comment fonctionne ta peau ? Avez-vous déjà regardé à la loupe la peau d'une jolie femme? Eh ben non, Ginette, ce n'est pas un spectacle réjouissant. Parce que peu d'entre vous savent comment une peau est structurée, comment elle est constituée et comment elle fonctionne. Ginette, sais-tu comment fonctionne ta peau? Sache que ta surface épidermique n'est pas unie, Ginette. Elle se compose de cellules en forme de tuiles qui ont tendance à se dessécher et à se diviser. C'est ainsi qu'apparaissent les méchantes cellules mortes. La peau, avec sa double fonction, qui consiste à éliminer puis absorber, pour assimiler est donc un organe. Oui Ginette, ta peau est un organe. La peau vit, respire, s'alimente et digère, ne l'asphyxiez pas. Ne laboure pas de concombre non plus, Ginette. Quand je te dis qu'elle mange et digère, c'est... Enfin, non, arrête. Ça suffit, Ginette, ça suffit. On pose ce concombre. Il faut donc que tu apprennes à la connaître, que tu étudies ses réactions et ainsi tu connaîtras ton type de peau. La division de l'épiderme en peau normale, sèche ou grasse n'est pas toujours juste. Des femmes à la peau sèche peuvent avoir quelquefois le nez et le menton gras, Ginette. Je te rassure, dans ton cas, il n'y a pas que le menton qui est gras. Elle peut aussi avoir des comédons en plus de sa peau sèche. Ou des points noirs, Ginette. Avec un peu de chance, toi, tu auras tout ça. De ce fait, si jamais tu as plusieurs de ces symptômes, l'intervention d'un spécialiste sera utile et efficace. Prends des notes, Ginette, prends des notes. À vos crayons. Il sera bon de consulter un spécialiste qui, après un examen de la peau sous la lampe de Wood et l'épreuve de réactifs spéciaux, déterminera le degré d'acidité et d'alcalinité de la peau et son coefficient d'oxydoréduction. Je sens que tu as tout compris, Ginette. Je suis fière de toi. Maintenant que tu connais la forme de visage parfait, l'état de ta peau, comment celle-ci fonctionne. Tu dois te demander, Ginette, mais quels sont les soins à avoir sur ta peau? Il te faudra aussi penser, Ginette, à bien nettoyer ta peau, c'est important. Tous les visages devront être démaquillés et soigneusement lavés tous les soirs. Un nettoyage plus profond sera pratiqué à intervalles réguliers avec une brosse ou des fumigations. Non, Ginette. Non, ça c'est la brosse à toilette, Ginette. Non, ne te lave pas avec.
s'il te plaît. Achète à cet usage une brosse ronde, pas trop dure, à poils assez longs. Il te faudra la tremper d'abord dans de l'eau très très chaude, aussi chaude que tu pourras supporter, Ginette. Et enduis cette brosse généreusement d'un savon. Et bien sûr, choisis un savon adapté à ton épiderme, c'est-à-dire sec, gras et avec des petits points noirs. Voilà. Bravo Ginette! Regarde comme ta peau est meilleure grâce à ce livre magnifique qui est l'encyclopédie de la femme. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, Ginette. On va laisser pour le moment les magnifiques conseils de cette œuvre qui est l'encyclopédie de la femme. Nous reprendrons ton éducation sur l'hygiène et la beauté dans une prochaine vidéo, ma Ginette. D'accord ? Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine.